Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de l'archange Métatron de ce mercredi 18 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et
tous bien. Aujourd'hui, le maître en soi. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs. Ça peut être avec des nombres, donc avec des chiffres, ça peut être avec des plumes, ou bien des pièces que vous rencontrez qui sont sur votre chemin. Soyez attentifs, soyez attentives, car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle si vous êtes dans ce cheminement spirituel. Eh bien, j'ai pigé cette carte et c'est la carte pour certains d'entre vous que vous attendiez. Vous êtes rendu à cette étape importante de votre vie où tout s'éclaire, où tout devient plus beau et plus grand. Vous êtes présentement dans un tournant de votre vie. Vous avez vécu des choses très difficiles, très dures. Eh bien, maintenant, vous devez poursuivre la tête haute et avoir une grande confiance en vous. Le maître en soi est cette voix qui vous guide, qui apparaît sous forme d'intuition et qui vous remplit d'une vibration puissante d'amour. Pour certains d'entre vous qui vous posiez une question, eh bien, la réponse est oui, sans hésiter avec cette carte. N'attendez plus, allez de l'avant. Quel que soit, n'est-ce pas, le domaine de votre vie, cette carte vous dit, vous devez bouger et créer du mouvement. Il ne faut pas attendre que les autres fassent votre bout de chemin à votre place, n'est-ce pas? C'est à vous seul de faire votre bonheur et de créer des instants magiques. Les autres ne le peuvent pas. En tous les cas, pour certains d'entre vous, vous êtes arrivés à la fin d'une route. Et le chemin a été ardu, a été très difficile, a été dur, pénible, sur le plan émotionnel comme sur le plan physique. Mais vous avez surmonté bien divers obstacles. Et maintenant, c'est le temps. C'est le temps de festoyer et de vous détendre. Vous manquez peut-être un peu de confiance en vous encore, mais dites-vous que ce n'est que passager. Car avec tout l'amour et toute la persévérance dont vous avez fait preuve depuis les derniers mois, eh bien, tout va bien aller. Rassurez-vous. Ayez confiance en vous. Cette carte, elle vous dit aussi d'être attentif aux messages que vous lirez aujourd'hui. Il se peut que ça soit peut-être une phrase, par exemple dans un livre, ça peut être aussi dans le journal, peut-être à la télévision que vous allez voir ou entendre une phrase, ça peut être dans une chanson. Un message vous sera envoyé aujourd'hui. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes prêt à développer davantage votre ressenti. Alors, c'est le moment, vraiment, le bon moment de méditer sur vos chakras supérieurs et attendez-vous à percevoir le monde spirituel. En tous les cas,
il y a un ange qui vous assiste. Son énergie et son amour emplissent votre maison. De nouveau, n'est-ce pas un très 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 beau message pour ce mercredi? Et figurez-vous que j'ai pigé dans l'énergie de guérison paix. La paix, on en a tellement besoin. Une paix intérieure. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Oh, moi je me sens bien. Je me sens en paix intérieurement et extérieurement. Très beau message, hein, encore une fois aujourd'hui. Je terminerai par « Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, n'est-ce pas ? Lève-toi le matin et mon Dieu, remercie pour la belle journée que tu vas passer. » Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain et d'ici là, je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de ceux qui vous entourent. À demain.